Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver sur la chaîne du Maron Meir. Nouvelle émission en tête à tête avec mon ami Arav Yoel Ben Arosh. Shalom Yoel, Boker Tov. Et nous sommes heureux de vous retrouver, de poursuivre notre étude à travers ce merveilleux ouvrage des Shmoneh Kvatzim, les huit recueils du Rav Kook au début du XXe siècle. Nous sommes à la linéa 4 dans le premier ouvrage, le premier recueil. Nous avions dit ainsi dès le départ, Amaasim et Mabsissim Achomrim, c'est-à-dire nos actions sont véritablement la pleine expression du sens de ce que la Torah veut dire. Annoncé à Mamashi, chez la théorie de l'azote, que la Torah, bien entendu, comme je viens de le dire, Manachat Gam et Otsarotea, c'est-à-dire seule la réalisation de ce que nous avons conscience, de ce que nous prenons connaissance, est à même de révéler le sens obvi de la Torah. Je continue à Rav Yoel et on rentre dans le sujet. Tu voulais rajouter quelque chose d'abord ? Je voulais juste dire qu'en réalité, il part ici de Mamashut. Le mot Mamash en hébreu, qui veut dire en fait une réalisation, a une sonorité de michouche, c'est-à-dire presque quelque chose de palpable. C'est-à-dire que la Torah, qui réel, au départ était une idéologie, une idée, devient quelque chose de réel, de palpable, okay, de viable. Metsuyam. Et je continue. Okefi ota amida, shetit gadel ahavana. Proportionnellement que la compréhension sera athéorite, c'est-à-dire la compréhension pour l'instant théorique ou illustrée. Begdulat erka, plus l'homme s'en préoccupera, s'y intéressera. Ken yosif leitnotetz bekerev auma kula, aor e chabouy asher bemaasim kula, vetitgale midat atiferet shebayadut amasit. Plus l'homme donc s'investira dans cette connaissance, cette prise de conscience, etc., etc., et plus quoi, dit le Rav, Yosif Leitnotset, il y a une espèce de d'étincellement ici, mais au sein de la nation, Bekerev Aumakula, à Ora Chabouy, c'est-à-dire que c'est comme si le sentiment était une mise à feu. Ce premier éclair mettait le feu, hein, c'est comme quand on allume ce gaz et qu'on utilise une étincelle pour allumer la flamme, d'une certaine manière, Aor Achabou Yacher Bemaasim Kula, qui se trouve inséré dans la réalité matérielle, concrète, Vetit Gale Midat Atiferet, Shebeyadut Amarsit, se révélera la splendeur, mais tu vas nous l'expliquer, Tiferet, bien entendu, qui se trouve dans Beyadut Amarsit, dans un judaïsme réalisateur. Alors, nous connaissons de plus en plus le Rav Kook, et nous savons que chaque mot est très précis. C'est une condensation d'idées prises toutes du monde ésotérique. Et ici, il faut prendre en réalité en compte les précisions que le Rav indique. En effet, quel est le changement? Quelle est la nouveauté dans ce que nous disons maintenant? Qu'est-ce que nous apportons de nouveau? On sait très bien que la Torah doit être réalisée, et ça, n'importe qui peut le dire. La nouveauté du Rav, c'est qu'il ne parle pas d'une Torah individuelle d'un juif. Il parle ici d'une Torah de la nation tout entière. Absolument. C'est-à-dire d'une Torah qui est relative à la nation, d'une Torah qui est relative à cette Neshama créée par l'infini, béni soit-il, et pas au niveau individuel, pas je fais ma petite mitzvah, pas je fais mon étude de Torah journalier. Mais cette étude doit être liée à une vision de ma nation tout entière. Et ici, il y a un secret, c'est que la nation d'Israël, dans ses actes, peut révéler la lumière la plus cachée, qui devient en réalité quelque chose d'action. Et la Tiferet, dont il parle maintenant, Midat Tiferet, la valeur que tu as traduit par splendeur, en réalité, dans le mot Tiferet, nous entendons le mot thérapie. C'est-à-dire que la Tiferet, c'est l'équilibre, la thérapie de l'homme, mais pas seulement de l'homme, d'une nation qui a compris son message envers les autres nations et qui est en train de traduire les valeurs du ciel pour le bien de l'humanité tout entière, pour guérir l'humanité. Et ça, c'est le sens de Tiferet. Tiferet, c'est aussi l'harmonie, peut-être, entre l'amour et la rigueur. Tout à fait. Dans la Kabbalah, la Tiferet, c'est en fait la résultante
entre chesed et gvoura. Oui, ce que j'appelle chose, l'amour et la rigueur. Tout à fait. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus fort. C'est que si, par exemple, le chesed valait 20 et que la gvoura valait 20, eh bien normalement, ce serait 20 plus 20, 40. Eh bien non. La tiferet va valoir 100, 200, 300. C'est exponentiel et ce n'est pas seulement la somme de la bonté, de l'amour et de la rigueur de la mise en mesure. Il y a quelque chose d'autre. C'est-à-dire qui que dans la rencontre qui se veut la plus harmonieuse, il y a un processus exponentiel qui se crée. Tout à fait. Et qui engendre quelque chose de nouveau qui n'était pas. Dans Tiferet, j'entendrai peut-être aussi qu'il y a, tu as dit, une thérapie, j'entendrai aussi comme refoua, c'est-à-dire. Le soin, la thérapie, possibilité. Thérapie, ouais, c'est la racine du mot rofé. C'est-à-dire que le mot rofé, c'est tout simplement réatteindre l'équilibre entre toutes les parties du corps. Et tu absolument. Es mieux placé que moi pour savoir que toute maladie est tout simplement un manque d'ordre, un désordre dans l'équilibre. Une espèce de cacophonie. Tout à fait. Il a fait mes ondes. Et il termine, je reprends juste la phrase, « Titgale midat atiferet shebeyadut amasit bekocha le Elohim ». C'est-à-dire, tu entends « bekocha a Elohi »,« bekocha le Elohim », de dire. Ça veut dire que, ici, le terme employé, ce n'est pas le tétragramme, mais le nom de Elohim. Or, nous savons dans la Kabbalah que le nom de Elohim est relatif à la nature. Autrement dit, le Rav est en train de nous dire que même la nature va révéler en fait son secret de l'au-delà, son secret divin. Et donc, les forces de Elohim, qui sont en valeur numérique 86, comme la nature à Teva, vont devenir en réalité divins. Donc, la nature tout entière sera tout simplement une plateforme pour la révélation du tétragramme. Et moi, j'aurais entendu Bekoral Elohim, sans contrarier ce que tu viens de dire, bien entendu. Bekoral Elohim, je veux dire que Elohim est le Dieu créateur des lois immuables de la création. Tout à fait. C'est-à-dire que le projet divin est aussi immuable. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, ce projet devra se réaliser de toute manière. Et je dis que avec ce que nous avons explicité précédemment, il y a une volonté de faire entendre qu'envers et contre tous les aléas de l'histoire, eh bien, le projet divin, c'est-à-dire que ce projet fait partie des lois immuables de la création, comme le soleil se lève ou le soleil se couche, c'est-à-dire que l'harmonie doit revenir à l'ordre du jour et de la nuit de l'histoire de l'homme. Merci d'avoir utilisé le mot « revenir », car en réalité, cette harmonie existe. Elle a tout simplement disparu et il nous incombe à nous, la nation d'Israël, de refaire apparaître en fait cette lumière qui a toujours été là. Et d'ailleurs tout à l'heure nous avons omis un tout petit point que le Rav aussi marque ici, c'est Ganouz, la lumière cachée. En fait la lumière s'est cachée tout simplement, elle ne demande que à être révélée de nouveau. C'est en tout cas ce que le Rav écrit ici, sur lequel il insiste, c'est-à-dire que la Torah n'est pas simplement un culte, mais qu'il est un culte, j'ai pas dit un culte, si on reste dans le culte, peut-être qu'on devient un culte, c'est possible, mais quelle est la Torah? Elle veut dire aura, c'est-à-dire enseignement. Enseignement, et éducation même. L'enseignement, l'éducation, et d'ailleurs dans l'enseignement et l'éducation, on enseigne et on éduque que nos élèves, c'est-à-dire qu'en vérité, on ne fait que les élever. Mais en les élevant, nous ne faisons que révéler. Hanor et Tanar, Alpidarko, c'est pas dit Shlomo Ameler. Élève l'enfant selon ce qu'il est. C'est-à-dire que dans le fait d'élever notre enfant, il y a une volonté de révéler. De révéler ce qu'il est dans son essence, qui est encore resté fermé et qui ne demande encore une fois qu'à s'ouvrir. Ah, c'est une raison intéressante de l'homonymie entre culture au niveau de l'éducation et la culture au niveau agricole. Exactement. Dans les deux cas, nous parlons exactement véritablement de donner la possibilité à cette rencontre harmonieuse entre l'homme et sa terre de pouvoir donner cette fructification. Oui, d'ailleurs, on peut terminer en disant que ce chinour, que cette éducation toranique nous apparaît clairement dans les 8 jours de Hanouka, qui justement, la racine de ce mot Hanouka est chinour, l'éducation. Merci à Rav Yoel, merci à vous de nous avoir suivis sur la chaîne du Maron Meir durant cette nouvelle émission dans Tête à Tête et à très bientôt sur cette même chaîne. Shalom, shalom. Toda rabba.